Salut à tous, ici Skilo. Et le Padre. On se retrouve aujourd'hui pour la fouine. Ah, la fouine. T'aimes bien ? Quoi, l'animal ou... Arrête. Ou chanteur ? Tu sais bien que t'aimes bien la fouine, tu sais que t'es un fan, je sais que t'as son album. Jamais... Non, mais j'aimais bien ses débuts. Ah, ses débuts. Aïe, ça veut dire quoi ça ? Ben, j'aimais bien ses chansons de début. Et maintenant... Mais après, c'est plus... Ouais. Voilà. Mais je crois qu'il a voulu, en fait, un peu couper avec son image, je crois, de ses débuts, je pense. Hein. Bah oui, il faut se renouveler, il faut s'adapter à la génération. Voilà, hein, donc voilà, donc pour moi, j'ai... Voilà. Enfin, bon, il faut voir maintenant la suite, quoi. Hein, ce que ça peut donner. Et nous sommes justement arrivés à la suite. Parce qu'il a sorti un nouveau morceau qui s'appelle Coloré. Et j'ai entendu dire qu'apparemment, il dansait une petite pique à 6ix9ine, donc bon. Je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Mais je crois qu'il y a un peu une petite guéguerre, quoi, entre 6ix9ine, puis aussi Booba, Kaaris. Enfin, chacun se lance un petit peu des petites fléchettes, quoi, donc... Carrément. Mais bon, c'est ce qui divertit, on va dire. Hein. Ça divertit le public, hein. Tu sais, d'ailleurs, que 6ix9ine, il a dénoncé plein de gens pour avoir une peine de prison amoindrie, on va dire. Le problème, c'est que... Voilà quoi. On veut ça un peu. Je crois qu'il va. Est-ce qu'il va pas changer son visage ? Je sais pas. Ouais, j'entendais un truc. Peut-être la chirurgie, je sais pas. Je crois que c'est un peu abusé ça. Par contre, ça va trop loin, les histoires là. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit que moi, ça me déplaît toutes ces histoires là, je veux dire. Parce que bon, ce sont des rappeurs, donc des chanteurs, donc nous. Peut-être, enfin les fans peut-être qu'ils demandent plus, hein, mais moi tout ce que je demande c'est qu'une chanson me plaise, quoi. Mais toutes leurs histoires là, de combat, tout ça, j'en ai rien à cirer. Enfin bref, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Oh, mais il est en prison avec 6ix9ine, non? Ah oui. Ah mais c'est Ouais. C'est ça les rappeurs. Devant la juge, ça fait des 6-9. Face au procureur, j'ai du mal à me lever le matin car je suis un grand rêveur. J'ai quitté la rue car elle avait des pierres dans le cœur. J'ai écrit les soleils de minuit, royage et rayonné. J'aperçois des traces de cocaïne quand je te rayonnais. Vois quelle est ta couleur préférée, j'ai dit violet. Sur Instagram font les lions, dans la rue ils ont miaulé. Putain, j'en ai fait du chemin depuis le squash emmassé. Les douleurs en moi ne veulent pas s'effacer, la vie est sombre. Tous les humoristes sont tous là. Ah ouais, tous ces comiques comme 6ix9ine. Calme-toi mon bébé, pour les embrouilles j'ai pas le time. Mets tes fesses sur ma face, que l'on fasse un FaceTime. Un gros joint, je quitte la terre et je m'envole sans fusée. J'ai jamais cherché la bagarre mais je l'ai jamais refusé. Il veut peut-être légèrement se foutre de la gueule des 6ix9ine. C'est pas hein. Sans ville la flics et je voyage partout. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis trop fatigué, y'a un lit dans le jet. Les coucs avant les cheveux colorés. Avec des pantoufles licorne. C'est tout 6ix9ine. Maintenant je pense plus qu'à le dépenser. Les poucs avant les cheveux colorés. À part sur la rue Saint-Honoré. Je me répétais le million, je l'aurais. Maintenant je pense plus qu'à le dépenser. Ah voilà, donc le titre coloré par rapport aux cheveux de 6ix9ine. Exactement. Coloré, t'as voilà. Tout compris. J'ai tout compris, voilà quoi. Donc il dit les poucaves ont les cheveux colorés. Les poucaves. Ouais, mais poucave, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Bah, poucave, si tu veux, c'est 6ix9ine, quoi. C'est une balance. Ah, ok. Il a balancé ses petits copains, là. Ouais, pas que des copains. Ouais, peut-être des ennemis, je sais pas, tout le monde, quoi. Enfin, tout le monde s'est passé. Toute l'industrie passe. Enfin, j'espère qu'il a pas donné mon nom, parce que. Non, il t'en veut pas, lui. Il t'aime bien. Non, tout le monde t'aime bien. Il connaît pas, de toute façon. Et il a peur de sortir, ou bien... Je sais pas. Mais il voudra peut-être pas sortir. Il va peut-être vouloir rester. Bah non, justement. Sinon, il aurait pas dénoncé tout le monde. Bah, le but, oui, mais... c'était de gagner du temps. Ouais, mais il risque sa peau à l'extérieur. Hein, ouais, mais il y aura la sécurité et tout. Hein. Ça, on va bien s'occuper de lui. Hein. Enfin, j'espère pour lui. C'est quoi, ça? Sécurité française, c'est ça? Ouais, non, mais... Ouais, donc c'est comme sécurité belge, je crois que t'as aucune chance de survivre, quoi. Mais alors, dis-moi, t'as bien aimé, dans l'ensemble? Ici, oui, ça passe bien, très bien. Super morceau, je suis content. Malgré que ça se passe dans une prison, voilà, quoi. Ouais, mais ou d'autres, hein. Mais je suis étonné avec 6ix9ine, bon. Mais je suis étonné que 6ix9ine n'ait pas participé à cette vidéo. Comment veux-tu? Bah, il est enfermé.
Ben oui, ben en prison, ben la fouine était pas en prison, donc il aurait pu filmer comme ça, et donc comme ça, il n'aurait pas dû prendre, je veux dire, ben c'est pas vraiment un sosie, parce qu'il ressemble pas du tout, mais bon, par ses cheveux. Ouais, il a mis une perruque et voilà, quoi. Ouais, mais enfin, il suffit pas que ça. Ben tu sais, d'ailleurs, en parlant de ça, les gens, ils se déguisent en 6ix9ine pour Halloween, c'est devenu un nouveau costume. Ah oui, je me sens que j'ai vu ça sur les infos. Voilà, ça fait tabac, ça. C'est vrai qu'il y avait quelques titres sur 6ix9ine, parce que justement, il allait sortir, donc ça a fait un tollé, quoi, donc... Mais si, franchement, je suis content que la fouine prenne un flow comme ça, un peu chantonné, puis du rap pur, quoi, un peu comme avant, pas comme Mohamed Salah et des trucs comme ça, où c'était trop hard. Voilà. Ici, voilà, c'est simple, quoi. Ici, parce que ça me plaît comme ça, parce que c'est pas, comme tu dis, trop hard, donc ça me plaît. Ce qui conclura la vidéo sur la fouine, qui m'a bien impressionné, franchement, je suis content qu'il revienne à ses débuts et pas qu'il continue à essayer de rester dans la mode actuelle avec la trap et non, voilà, reste toi-même la fouine, merci, ça marche. Donc les potes, on espère que vous avez apprécié la vidéo, si oui, vous pouvez mettre un like et on se capte la prochaine fois, ciao. Les poucs avant les cheveux colorés, à part sur la rue Saint-Honoré. Me répéter le million, je l'aurai. Maintenant, je pense plus qu'à le dépenser.